Mardi 24 mars 2020, 8e jour de confinement. Je vous souhaite bien le bonjour. Et aujourd'hui, petit exercice qui va durer tout au long de la journée si vous y êtes un petit peu attentif. Ça marche aussi bien pour les grands que pour les petits. Est-ce que vous avez déjà fait attention à la façon dont vous parlez ? Je ne pas, je jamais. Voilà. Beaucoup, la plupart de nos phrases sont négatives. On emploie très souvent la négation. Alors, aujourd'hui, le petit jeu, puisqu'on est toujours dans la positive attitude, c'est d'essayer de ne parler qu'en phrases positives. N'hésitez pas à faire attention à ce que vous dites et à reformuler. Je n'aime pas ton gâteau. Peut devenir, ton gâteau a un goût différent de celui d'habitude. Je ne veux pas tomber malade. Je suis en pleine santé et je vais m'immuniser. C'est pas compliqué, mais vous verrez au quotidien, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes des ne pas, ne jamais, ne plus. Eh bien, essayez. Faites-y attention tout au long de la journée, faites-le remarquer à vos enfants, à vos conjoints, à ceux avec lesquels vous vivez en ce moment. C'est pas compliqué, et ça, c'est vivre une attitude positive. Alors, faites-y attention pour aujourd'hui, mais aussi pour la suite. Ça peut servir pour tout le temps. Et puis, n'oubliez pas nos petits mandalas. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu le temps de faire le mien. J'ai aussi du travail, hein, malgré tout. Alors, réfléchissez bien à tout ça et à demain!